Mbokki téléspectateurs yi, tay ñi ñu wa signé émission. Hello guys, what's Gucci, what's popping, what's cooking, what's Dylan? So, bon, si vous ne le savez pas, je suis une grande bigleuse. Donc, excusez la dégaine. Alors, je suis venue pour un truc rapide, chap chap. Je suis venue pour un haul, mon premier haul. Bon, si vous ne saviez pas, Shein, c'est ma base. It's cheap, it's temporary. Je trouve ce que je veux dedans. Et actually, j'ai des habits qui ont duré de Shein. J'ai commandé des trucs Shein. J'ai commandé aussi des trucs Asos, notamment des paires de chaussures. Parce que je me suis dit, bon, c'est l'été, il faut être un peu mignonne. Et c'est dans ces dalles. Je sens que. I need to unleash my potential. Because y'all deserve to see it. I deserve to see it. The world deserves to see it. Du coup, tous les colis, I got them shipped. From Afreti. En gros, ce que j'ai fait, c'est que je les ai shipped à l'entrepôt d'Afreti. Et après, ils me les ont chez. Donc, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Afreti, mais bon, j'utilise Afreti quand même depuis que je suis rentrée au Sénégal, bah, j'utilise ça aussi souvent et j'ai jamais eu de soucis. Donc, voilà. Et puis, le kilo, en ce moment, il est à 13 euros. Avant Covid, il était à 10 euros, en tout cas, le pack éco. Mais bon, on comprend que c'est devenu compliqué. Mais bref, ça reste quand même affordable, surtout qu'ils te livrent chez toi. Ce qui est sûr, mes affaires sont là, elles sont arrivées à temps. Pour l'été, pour être chocotte, pour être chic shop, mon petit, moi déjà, allons. ASOS, j'ai commandé du coup deux paires de chaussures. En fait, pourquoi j'aime ASOS? Parce que c'est un des rares magasins. J'ai des pieds assez larges et grands, en tout cas pour la moyenne des filles. Donc, c'est une des rares boutiques où je peux trouver ma pointure déjà. Et surtout, qui font des shoes white fit. Et the shoes are cute. C'est pas les shoes en mode orthopédique bizarre. J'ai aussi commandé un pantalon, un mom jean that I, oh my god, love. Mom jeans are my new favorite. Et en plus, ce qui est bien chez ASOS, c'est que du coup, c'est long. First, bit first, c'est le petit top qui vient de. C'est le petit top qui vient de Chine. La jupe aussi. Le petit top en mode asymétrique. Genre asymétrique, en mode qui s'attache ici. Donc, du coup. And very much. Like, and the skirt, and the truc, oh, the big wear my shoes. Fatiguée comme je suis, en 2 secondes, je suis choupette. I'm sorry. Bien sûr, j'ai rajouté les petites earrings de Shein aussi. Et les chaussures, bon, on va faire comme ça pour les montrer. C'est des chaussures d'ASOS là. Et pour ça, je vais mettre tous les liens en bas avec les prix, parce que je ne me rappelle plus les prix. Anyways, big feet problems. Who has big feet problems too? I got plugs, cause toute ma vie c'est chercher ça. Donc pareil là, pareil, enfin, Top Shein toujours. Bon, je l'ai retroussé pour qu'il aille avec le pantalon. Ça c'est le pantalon et ce dont je parlais tout à l'heure, le mom jeans. Et pareil, je l'ai porté avec les petites sandales. Acting cute. Casual Sunday. Bien. Où les. Ouh. Petite imitation des shoulder bag trendy en ce moment. So, du coup, little Miss Cutie, with a little shoey. Et ce que j'aime bien avec ce top, c'est qu'il va même avec la jupe de tout à l'heure. Il est encore plus cute parce qu'en réalité, il fait ça en fait. Donc, avec le jupe, vous voyez bien un peu le petit truc quoi. I shop smart for months. Je ne sais pas si comme moi, vous êtes la personne qui genre, je vais voir un haut nice, je vais dire j'achète un pantalon nice, j'achète. Après, j'oublie la partie où je dois les porter ensemble. And then I'm like, I don't have nothing to wear. Encore une fois, Top Shein. En fait, j'en ai profité pour prendre des petits tops. Je sais que tu peux porter avec tout. En tout cas, je respire, il y a l'air, c'est le soleil, c'est l'été, il fait chaud. Déjà là, I'm nourrie. Pareil, top asymétrique, trendy, mignon, bam. Bien, bien. Parce que vous le valez.
Bon goût, mesdames et messieurs. Her. Ils n'ont pas la référence, on va comprendre. Mes TikTokers, vous connaissez. Vous voyez la blouson de robe en tout cas circuler sur les Instagram avec les petites qui jassaient dedans. Je me suis dit, elle mérite aussi. C'est bon, déjà c'est archi léger. C'est-à-dire que le vent. Ça reste quand même cute. Et ce que j'aime bien, c'est que ça ne moule pas trop. Donc, perfect. Par contre, une marche et bim! Bim! Vous savez ça là? Il vient trop ça. En plus, ça tombait, les chaussures. Je sais pas si vous les voyez là. Vous les voyez pas bien? Vous les voyez pas bien? Mais des chaussures, vraiment. Y'all are ready for me, y'all. When y'all see me in the streets, just stop and stare. Cause it's an old fashioned show out here. Macho. Et non. Macho. Et non. Elles sont assez confortables quand même, parce que je me disais qu'elles allaient pas être très confortables. Mais comme elles sont pas très hautes, donc c'est super déjà. Donc si tu peux tenir longtemps. Les lacets, ça tire pas trop sur la peau. J'avais peur de ça aussi, que ça sent compresser ton sang dans la street, non? Après, sur la durée, on verra ce que ça donne. Celle-là, c'est une robe. À la base, je l'avais prise parce que je me suis dit, purée, c'est l'été, il va faire chaud au boulot, qu'est-ce que je vais porter? Sauf que j'avais oublié un effet, un facteur quand même. C'est que je suis plus grande que la moyenne dans les pays d'où ça vient. Donc, ça fait que bon. Si je porte ça au boulot, I mean, it's cute, but I cannot go to work. Mais ouais, pas mal. Peut-être pour les gens un peu plus courts. J'ai oublié cette jupe. Et en gros, elle fait un effet, c'est un effet faux cuir. J'aime beaucoup l'effet poché ici, poché là-bas. You know, my tight like this. Donc c'est une jupe pencil skirt. Donc, bon, elle est un peu grande comme ça, mais enfin, grande, en tout cas, elle ventile fort mon intérieur un peu. Mais bon, elle s'est ouverte. Je la vois bien avec le top asymétrique noir que j'ai porté tout à l'heure. J'ai des petites talonnettes ou même des baskets blanches. Fais vous le TikTok de World 22 Mac. Tiens, mon nom qui l'a. Donc là, on a une robe aussi pareil. Je voulais une robe pour la journée, chiller, cette fois de poser, prendre un verre. Tu es relax, sans être négligé, tu vois. Le top, il n'est pas censé être. Enfin, je pense que tu peux. En tout cas, moi, je vais le porter en mode de bardeau. Parce que I like the cap better. Et une petite fente de. C'est ça, on dit le négligé, non négligé. En plus, ça va toujours avec les chaussures. Quand je vous dis que les chaussures là. En fait, je pense que c'est la couleur que j'ai choisie. Je ne vais pas tomber mieux. Sinon, bon, je vais vous montrer de l'autre sens. Je ne suis pas très fan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Autant sur le top tout à l'heure, j'aimais beaucoup. Là, je ne sais pas, je trouve que ça fait Marie dans la petite maison de la prairie. Là. Il me laisse ça qu'on a fait chine. Oui, le Seigneur. C'est Dieu qui donne ça. Allez. Donc, j'ai pris ce petit sac aussi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rouge quand même. Bon, still red is my favorite color, so I don't mind that much. And you know, I always like cet article qui va dans toute la outfit, so like stand out. Whether it's the earrings, whether it's the bag, c'est le petit truc. Et bien sûr, j'ai bien dit de mes bains, je vais pas les porter, hein. You might or you might not see them on my IG, or at least part of it, but not all of it. Voilà, c'est ça aussi mon problème. J'achète des fois des habits, je vois c'est bizarre couper un genre. Quand l'habit arrive, je suis là en train de réfléchir. Comment tu portes ça? Que quelqu'un compte. So this is a bathing suit. C'est une pièce noire parce que j'ai pas de mal au noir. Just for some reason. And I was like, I really like the cut. En mode de bikini, pas bikini. Et puis bien sûr, tout ce que j'aime, asymétrique ici. Donc ça fait un genre comme ça. Je ne l'ai pas encore essayé, mais en fait, j'ai acheté tellement de maillots chez Shein que je crois que maintenant je connais ma taille. Que je suis la seule personne qui a genre 10, 15 maillots de bain.
I think I'm kind of addicted to them. But you know, I like to feel good when I'm doing my thing in the water, being all mommy wata and stuff. Kumba Castel in the streets. Donc, j'ai pris un deuxième maillot aussi. Noir et blanc aussi, for some reason. I don't even know why. J'en ai commandé d'autres en plus chez Exas. Donc, petit truc comme ça, taille haute. Vous avez dit les taille haute, c'est la vie. Maillot de bain, maillot de bain. Mais ce que j'aime le plus, c'est this new trend where, like, you have ce petit triangle là. I really don't know if this will fit. Obviously, comme je suis une grande force, je vais tout faire pour que ça fit. Mes lunettes de soleil. As I already said, I like to be extra, but just a little bit extra. A little. So I bought these sunglasses. Clearly not to protect you from the sun, but to just like, is that so bad? I really don't know what I'm looking like right now. The rich auntie living her best life. My dear mes chocos et mes chocottes. Et voilà, ce fut tout pour mon haul de Shein slash ASOS, which is obviously more Shein because and well, thank you guys, and I hope you find whatever you like on whatever platform you want. Et l'été là, on peut se négliger les beaux. On est des gens, on est des quelqu'un. Show your potential, baby. You can, you are bomb. You can look bomb. Yo, look good, feel good. Slay on them, niggas. Anyways, bye guys. Yeah, the B.I.G. Freaky Five. Yeah. L's. Light 'em.